Eh bien, bonjour à tous, enfin, eh bien, re à tous en réalité. On est paré, capitaine. On fonce. Du coup, on s'est laissé sur le dernier épisode où on était ici. Arrêtez de chanter! À tribord, un homme dans l'eau, capitaine! Il a l'air en vie! Voilà! Là, on a l'allure de croisière. Bref, au moins un petit peu de calme. Utilise tous les canons que tu voudras. Et n'hésite pas à lui rentrer dedans. L'amour de Dieu ne le coule pas. Pêcher une cargaison est chose pénible. Mais impossible. Là, il est hors d'état. Du coup, faut se préparer à l'aborder. Le navire est immobilisé et prend l'eau de toutes parts. Alors fais taire tes canons. Et assure-toi de ne pas le couler. Bravo! Il est à la dérive! Va te mettre bord à bord! Gardez serré! Carguez l'île! Ah, on y va! Bon, bref. J'essaie de faire exploser les tonneaux. Ouais, du coup là on va terminer cette mission dans cet épisode là parce que dans l'ancien épisode j'avais dit que je terminerais dans le prochain épisode, du coup on va terminer maintenant bien sûr. Allez, on a perdu un équipage. Voilà, ils ont drop leur arme carrément. Et voilà. Je suis le capitaine Ornigo et voilà mon équipage. Comme vous, nous sommes des marins, mais nos desseins sont bien différents des vôtres. Car nous entendons vous dépouiller de tout ce que vous avez. Mais il ne sera fait aucun mal à tous ceux qui sauront se montrer dociles. Est-ce que c'est clair? Non, mais mate, señor. Tengo familia. C'est le supplico. L'un d'entre vous parle ma langue? Personne? Oui, un peu. Dis à tes amis qu'on veut la cargaison et qu'on ne fera de mal à personne tant qu'ils seront immobiles comme des bancs de sable. T'as compris? Ah, vous pouvez répéter? Oh, nom de Dieu. Enfermez-les dans la cale et prenez tout ce que vous arrivez à soulever. Ah, apparemment je crois que je parle espagnol. Ah non. J'ai cru que mon espagnol allait ressortir, mais non. Bah non. Je suis tout aussi nul en espagnol. Oh, c'est pareil le Jacko. Belle prise aujourd'hui, Kenway. Pour une douzaine comme celle-là et tu seras tranquille pour un an. Maintenant, on va vendre ces cargaisons et récupérer quelques babioles pour ton Jacko. Tranquille pour un an. Le roi des Caraïbes. Si on a choisi de venir à Nassau, c'est justement pour échapper au roi. Alors, je serai un homme de propriété, plein de promesses. Bon, on va terminer cette mission, puisque comme je l'ai dit dans le dernier épisode, on va terminer cette mission maintenant. On la termine aujourd'hui. Que tu n'auras plus jamais besoin de rien. Si, mais ce n'est qu'un rêve. Chacun espère trouver des dizaines de coffres de pièces. Je vais lâcher la barre et je vais voir qu'est-ce que il y a comme truc d'assassin là. Et on ira faire un petit saut de la foi au passage. Ah, pas besoin de saut de la foi en réalité. Regardez, je vais sauter là-bas. Ah, saut de la foi en fait. Je voudrais bien monter dans le bateau. Ici, il y a des iguanes.
fragment. On ressort sur la branche. Et on va là-bas. Ici, ça a l'air d'être une vraie île habitée, mais où il n'y a pas grand-chose. Let's use common four. On va synchroniser. Hop, histoire de découvrir l'île. C'est ça saoule, hein. Voilà. Voilà. Et là. Oh. Où est mon petit eagle? Allez, on va synchroniser, les amis. Cette île-là. J'ai grave les gens mobiles, donc tu sais, les mecs qui disent: oh non, j'en ai pas, je suis au lit. Ça de la foi. Boum, j'ai synchronisé l'île, du coup je peux voir comment retourner au navire. Le coffre qui est juste là. Là, je connais absolument tout sur cette île. Le fragment qui est là-bas, la bouteille qui est là-bas. Là-haut. Allez, let's go, mon fou. Ok, on va prendre la petite bouteille. Les deux coffres là-bas. Il y a tellement de choses à prendre. La bouteille. Allez, on push up la bouteille. Tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? Ok. Il y a l'air d'avoir un texte que je ne vais pas lire. Hop. Il y a deux coffres. Wow. Hop, 158 de trucs et du saphir. Et là, 175 de trucs et un pochette en porcelaine et un truc en argent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Voilà, si facile. Allez, donne-moi ça. 95 et un manuscrit. Ok. Maintenant, ici, apparemment, il y avait une prime, là. C'est quoi ça, attends? Officier local, et ça? Ça, c'est la zone de chasse des iguanes. Ok. Oh, c'est quoi ça? Cadavre. Récupérer une carte au trésor. Attends, il y a tellement de choses ici que... Ouais. D'abord, je vais aller là-bas. Y a trop de choses, gros, sur cette île. Je vais la payer. D'accord. Vas-y, chute. Je vais prendre les deux coffres qui sont là. Ah, là, il y en a deux. Je comprends pas pourquoi les habitants de l'île les prennent pas. 133 et une aiguille en or, une rebousse en or, du saphir. Vachement cool. Hop là, donne-moi ta carte au trésor, toi. Allez. Tchouk, 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 tchouk. Allez. Qu'en gros, il y a l'arrière d'un bateau. Et une petite île à l'arrière d'un bateau. Et bah, il y a un coffre. D'accord. Je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr de savoir si c'est cette île ou pas. Fabrication. Qu'est-ce que je peux me fabriquer déjà? Je peux en fabriquer. Bourse à balles. Ça va, ça peut me servir. Qu'est-ce qui peut me servir? Pas ça, pas ça, pas ça.
et confortablement dans les pires conditions. Ah, des trucs, mais il me faut fou. Ah, mais il me faut juste des os. Bon. D'accord. Alors, apparemment, ici... Non, ici, c'est le mien. Apparemment, quelque part, autour d'ici, il devrait y avoir une mini-île avec un bateau échoué. Je sais pas. Ah, allez, fais-moi voir ton contrat là. Cherche le trésor, récompense 1000. Allez hop. Tu vas très très vite me dire où il est. Me dis pas, il est pas là. Ah non, en effet, il est pas là. Je peux voir carte au trésor, genre. Inventaire. Carte de trésor. 606 815. Wait. 606 815. Dire que c'est par là, 606. Là. Ça veut dire que je sais pas. Bref, on va aller voir le petit mec méchant là. Parce que là, il y a un truc. Je sais pas c'est quoi. À leurs yeux, c'est comme si t'existais plus. Un petit dauphin. Oh, moi, des zones interdites, mais bon. Je suis pas surprenante. Le dauphin, je sais pas s'il était tuable. Ah ouais, je l'ai sauté dessus. Excusez-moi, je risque de faire demi-tour. On va se faire la prime et aller voir qu'est-ce que... Voilà. Et puis vas-y. Allez, on va aller voir mon marqueur personnel et le truc là. Let's go, combien de fois. Ça marche pas. Ça marche pas. Oh. Je suis vraiment à deux doigts de lui. Mais attends, parce qu'il y a une île devant eux. Enfin, une ville, une île. Ah, raté. Dommage. Prêt à faire feu. Au navire ennemi, droit sur... Attention. On recharge au plus vite, sœur. Je vais
faire sombrer. Ah ah, c'est là qu'il faut tirer. Ah, c'est des planches. Oh, il a complètement coulé. Ouais, il a dit quoi lui? Il a dit envoyez-les en enfer. Let's go, man. Oh, mon dieu, mon ping, il était bon. Mais ouais, il a l'air bon. Ah, oh, mais y a pas l'arrière du bateau qu'on m'avait dit. Non, en fait, je crois qu'il est pas bon. Là-bas, y a un gros truc énorme. Je pense que on va juste aller là-bas et puis voilà. Attends, parce que. Ouf! Finir à la flotte. Envoyez la grand voile. Fermez tout, cargué serré. Feu. Ça c'est pas faible, sœur. Un navire approche, pièce en place. Un schooner, des Espagnols. Ils sont tout seuls, capitaine. Tirez-vous le gêné! Prêt à faire feu! Attention, capitaine! Allez, on recharge quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec ce bateau du coup? Tac, tous prisonniers. Part. Tout est bon. On a trouvé de quoi avancer. Prenons un peu de vent. Et perlez jusqu'au dernier coup. J'ai lâché l'encre, je m'en fiche les gars. Pourquoi sur cette île? Qu'est-ce qu'il y a sur cette île? Sur cette île on peut chasser quoi? Je sais pas parce que j'ai pas... Ouais. En tout cas il y a des iguanes. Ouf.
Ok, ça veut pas les attaquer, c'est pas grave. Hop là, t'es mort. Il a eu mal. Il a eu très mal. En effet. Bon, maintenant on peut retourner à notre navire. Non. D'abord on va observer la zone si on va faire ça là. On monte et sur cette magnifique vue d'ailleurs on ira se laisser bien sûr. C'est ici. Je me synchronise, je bute le mec juste en bas parce que oui, il y a un mec juste en bas les gars, je sais pas si vous l'avez vu. Mais bon. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo, vous le verrez. Bon, allez les gars. Je saute dessus et je coupe sans rien dire.